à tous et bienvenue dans le nouveau journal du FCMT. Assez exceptionnel aujourd'hui car c'est le dernier de l'année. Bonjour, bonjour Fred, bonjour Morgane, bonjour Jean-Luc. Merci, pas facile hein, pour une première, hein. Mais il s'est pas trop mal débrouillé. Hein. Salut Fred, salut Jean-Louis, bienvenue dans ce nouveau journal du FCMT. Donc, comme Quentin nous l'a annoncé, un journal assez exceptionnel, puisque c'est le dernier de l'année. Pour les 10 ans, en plus du FCMT TV, hein, même si avant on a eu d'autres noms de clubs. Et avec les U15 en force ce soir, hein, qu'on va recevoir, ils sont plus d'une dizaine, hein, ils sont 10-12 je crois. Et puis les parents qui sont présents également avec nous, que je remercie. C'est grâce à vous que tout ça peut vivre. Donc messieurs, rebonsoir. Jean-Louis, bienvenue. Félicitations pour cette victoire face à Bissheim cet après-midi. Victoire 2-1. On s'est bien accroché en deuxième mi-temps avec 9 minutes d'arrêt de jeu alors que ça poussait en face. Un match assez compliqué. On va en parler tout de suite et puis après on passera au résultat du week-end avec toi Fred. Donc oui, un match difficile comme tous les matchs et donc avec beaucoup d'arrêts de jeu. Donc voilà, c'est des matchs à beaucoup d'enjeux. Donc voilà, on était un peu nerveux en deuxième mi-temps. On était un peu moins performant en deuxième mi-temps qu'en première. Mais bon, dans l'ensemble, c'est mérité contre une belle équipe. Après, c'est un championnat qui est tellement difficile que tous les matchs sont très difficiles nerveusement. Et il y a même un peu plus pour l'entraîneur quand on gagne 2-1 comme ça dans les arrêts de jeu, c'est un peu compliqué. Ouais. Il y avait pas mal de monde, je vais reprendre le micro, je sais pas si t'as pu y faire attention, t'étais dans ton match, mais pas mal de monde autour du terrain et qui a poussé l'équipe. Il y a quelque chose qui est en train de prendre aussi avec le public autour du terrain. On n'a pas de groupe de supporters, mais on sent que ça suit et que ça pousse. C'est assez intéressant aussi pour vous. Comme je disais, le résultat est important, mais pour moi, le plus important, c'est la manière et que les joueurs prennent du plaisir dans le jeu. Ils en prennent déjà à l'entraînement, pendant les week-ends, et faire du spectacle. Les gens, aujourd'hui, ils viennent nous voir en force. Et surtout l'image. L'image est importante, c'est ce qui est le plus important pour moi, à mes yeux. Et on a plus de chances de gagner des matchs en jouant bien, même si le football, des fois, on peut jouer mal et gagner. Mais quand on pratique un football... qui va vers l'avant, qui voilà, on prend l'initiative, on est positif, on a avec beaucoup d'énergie, on joue pour gagner, donc ça attire les gens et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde et donc c'est bien, c'est plaisant, c'est pour nous c'est puis surtout c'est une belle récompense pour les joueurs parce qu'il y en a quand même il y a beaucoup de joueurs qui ont galéré dans le passé et puis voilà ils retrouvent un très bon niveau et voilà c'est très positif mais bon le chemin il est long hein. On n'est même pas encore à la moitié du championnat, mais par contre, au niveau de l'image qu'on donne, ouais, c'est vrai qu'elle est. Bah, moi, ce qu'on véhicule, les gens me le disent souvent quand je les croise, et il y a une belle image d'une équipe qui essaie de jouer au football. J'ai trouvé une équipe très combative dès le démarrage, chose qu'on n'était pas forcément habitué. On est plus à prendre le jeu à notre compte, mais là, c'est vrai qu'il y avait une espèce de bonne agressivité, on va dire, dans la première demi-heure. Qui a assez déstabilisé Bissheim, donc t'as visionné un peu pour où c'était ils ont fait ça comme ça instinctivement. On savait le problème aujourd'hui c'est que on a fait un départ de championnat qui était un peu compliqué et on jouait une équipe qui était juste devant nous donc c'est des matchs qui sont importants donc et des fois c'est ce que je vous dis c'est que il faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu et des fois c'est le cas et donc on met plus d'envie que de qualité dans le jeu mais c'est vrai que mon équipe voilà on s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine donc c'est beaucoup et physiquement on est très bien donc on exerce un pressing tout le temps et c'est vrai que j'ai trouvé l'équipe une très bonne première mi-temps avec beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. On jouait très très haut, on les empêchait de jouer et ouais, c'était très positif. C'est vrai, plus que d'habitude, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. C'était la remarque que j'avais à faire. C'est bien, tu vois, tu savais pas quoi dire ce soir. Hein donc juste avant de passer au résultat du week-end, on a Robert Bourlon, que tout le monde connaît, hein, c'est plus la peine de le présenter, qui a son calendrier à présenter, mais également un petit mot justement sur cette belle victoire cet après-midi. Un petit mot, bien sûr, même un grand mot, parce que je vous dirais très franchement que quelquefois on a l'impression que le temps passe vite. Mais là, il passait vraiment pas assez vite, finalement, au cours de la deuxième mi-temps. Comme l'a dit Jean-Louis,
une belle participation au niveau de la première mi-temps. Une totale participation justement pour défendre ce but, mais heureusement qu'on a eu un but refusé sur hors-jeu parce qu'il restait 10 minutes. Je craignais le pire. Moi j'étais de l'autre côté, là-bas je vivais plus. Mais enfin, c'est les moments du sport, ça. On les apprécie et puis on les aime beaucoup. Permettez-moi simplement, dans ma brève intervention, de remercier un petit peu tous les partenaires, justement, en ce qui concerne nos calendriers. En ce qui concerne nos sponsors, ils sont au nombre de 180. Les partenaires sur le calendrier, ils sont, je crois, environ 80. Pour ces 80 partenaires, ben, on souhaite justement pouvoir diffuser au maximum justement les 1700 calendriers qui sont mis en vente grâce à nos enfants, finalement, de l'école de foot, répartis. Vous aurez certainement la visite d'un de nos licenciés prochainement. Réservez leur le meilleur accueil et je vous donne un petit peu le format du calendrier qu'ils vous présenteront. Merci à vous. Merci à toi, Robert. Bah écoute, on va maintenant passer au résultat du week-end avec toi, Fred. Bah en commençant par cette belle victoire 2-1. Oui, bah donc je commence. D'habitude, je commence par les U13, mais là, j'ai commencé par les seniors. Bah, tout le monde l'a vu, hein. Donc une fin d'année qui va se faire plus sereinement avec cette deuxième victoire de rang quand même. La troisième en 4 matchs. Ouais, la troisième en 4 matchs. Enfin là, voilà. Donc cet après-midi face à Bischheim par 2-1. Donc très peu de rencontres ont pu être jouées ce week-end. Pour pallier à cela, donc le COSEC de Pont-Sainte-Marie était mis à disposition pour nos équipes de U6 à U13. En U14, victoire de la 2 face au Melda par 3-0 et défaite de la 3 face à l'Entente TAC municipaux par 6-2. Les U15 R2 donc jouaient en amical à Saint-Martin-la-Veuve contre les leaders des U16 district de la Marne et l'ont emporté par 3-0. Et puis pour finir, donc victoire des U16, 5-1 face à Saint-Julien. Voilà. Bon, ça va, un week-end relativement calme, hein. Il y avait beaucoup de matchs de reportés, hein, d'ailleurs, même en senior, hein, tout ne s'est pas joué. En N3, bah, la DH n'a pas joué. La N3, j'ai vu qu'un match avait été reporté, 2. Ouais, donc, bon, on arrive sur la fin et c'est bien comme ça, on va pouvoir se reposer. Bah, écoutez, messieurs, merci à vous d'avoir été présents. On va juste après retrouver les U15, donc on se retrouve juste après cette petite pause. Bienvenue dans cette seconde partie du journal avec nos U15, hein, qui nous ont retrouvés, certains déjà vus dans le journal. On reçoit donc Maxime, Quentin, Weil et Maël. 4 U15 R2, un match aujourd'hui. Non, si, c'était ce matin, hein, vous, victoire 3-0. On commence par qui? Vous faites tourner le micro. Hein. Tiens, c'est toi. Moi? Ouais, tu m'as répondu. Allez, Weil. Et tu nous fais un beau résumé. Un beau résumé du match? Mais ça tourne, oui, là. Ouais, non, mais attends. On a chopé le champion du monde. Bon, attends, si t'as pas d'idée, on va te laisser. Ouais, tiens, Maxime. Là, Maxime, il voulait causer. Non, bah non. Non, bah alors. C'était un match très plaisant à jouer. En plus, il y a la victoire au bout. On a pris beaucoup de plaisir à jouer. Et voilà. Même s'ils étaient plus grands, on était présents dans les combats. Oui, parce que j'ai entendu dire que c'était des U16 première année. Oui. C'est ça? Donc un peu plus dur physiquement, peut-être. Oui. Si vous répondez par des oui, on est mal barré. Il va être rapide ce dernier journal. Maël, toi, je sais que t'es bavard. J'ai rien à dire, moi. Ils sont gentils. Bon, bah, on va faire venir le coach. Viens, Anthony. Tu peux dire les buts, parce que t'es bien marqué. Ça, hop, viens vers nous. Ouais, faut que t'ailles au front. Tu les as bien formés sur le terrain, mais pas encore aux caméras. Non. Donc, effectivement, un bon match plaisant, comme il a dit, déjà à regarder du côté. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à le jouer, parce qu'on a eu des phases de possession de balles très intéressantes, que ça soit dans notre camp et surtout dans le camp adverse, c'est ce qui était demandé. Combien de fois on allait effectuer des passes dans le camp adverse et après avec cette finalité du but quand même, hein, qui reste ça et surtout c'est notre premier clean sheet de la saison, donc c'est super intéressant parce que on a vu des choses offensivement et aussi défensivement.
Donc on avait cherché à voir s'il y avait de la continuité par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière du côté de Reims-Sainte-Anne. Et c'était pas un feu de paille de ce qu'on avait vu. Vraiment, il y a eu une continuité. Et c'était super intéressant de revoir tout ça en place. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas Anthony qui aboie, c'est Choco Montero en fait. Il est comme son maître en fait, il est un peu gueulard. Jean-Louis, je sais que tu suis beaucoup de matchs, je sais pas si t'as eu le temps de découvrir encore les U15. Il y a pas mal de joueurs justement que tu verras certainement venir par la suite dans quelques années. Bah j'espère, hein, c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif de les former. Après non, je les ai pas vus eux, j'ai vu les U19 et les U17, la catégorie en dessous je l'ai pas vu. Mais après bon, quand le discours d'Anthony me plaît, parce que quand il dit que il y a une possession chez l'adversaire, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça qu'on doit les former pour qu'ils puissent jouer au-dessus. Je pense que c'est voilà, faut jouer pour gagner, faut prendre des initiatives, faut pas subir, c'est bien. Je ne connaissais pas, mais vos discours bien. Un bon point. Ouais. Et bientôt, adjoint, hein, Momo et Toshion. Mais justement, c'est marrant parce que tu dis que tu ne connaissais pas Anthony. On l'a découvert, nous. Hein, mais on l'a connu le week-end dernier. En fait, c'est lui qui a géré pour avoir tout ce beau monde. Donc, merci à toi, en tout cas, Anthony, pour l'investissement. Fred, un petit mot sur tout ça. Des petites questions aux joueurs, parce qu'ils n'ont pas de questions ni de réponses. Le problème, c'est que ça va être compliqué s'ils ne veulent pas parler. Hein. Mais il y a Maxime à côté, tiens. Tiens, Maxime. Donc, Maxime, c'est le gardien de but. Oh, oui, hein, t'as vu, je maîtrise un peu. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison? Parce que on connaît l'avis de Maël, de Quentin. Après, ça sera le tour de Wade. Donc, bah, allez, ta saison en U15-R2. Cette saison, c'est pas forcément ce qu'on attendait. On avait fixé des objectifs plus haut que ça. Au final, on les a pas atteints. Après, il y a encore une deuxième partie de saison et il reste des matchs qui n'ont pas été joués. Donc c'est encore faisable, mais pour l'instant, faut qu'on se ressaisisse et qu'on fasse mieux. Il parle pas mal quand même. Allez, Wail. Voilà. Alors toi, ta vision sur ta première partie de saison? Bah, comme il l'a dit Maxime, on s'attendait à mieux. Et du coup, là, on a fait deux matchs amicaux et on a fait deux victoires. Du coup, on se sent bien, on est dans la continuité et du coup, avec la deuxième partie de saison, on va essayer de continuer et de gagner. Très bien. Donc, Anthony, c'est vrai que tu fais pas mal de matchs, forcément amicaux, parce que vu qu'il y a pas beaucoup de matchs, on va dire, officiels qui se jouent en ce moment. Tu vas reprendre quand, effectivement, avec ton groupe, juste après les fêtes, ou tu vas attendre un peu parce que le championnat va reprendre assez tard quand même. C'est planifié pour le 13 janvier. Et après, on a déjà programmé pas mal de matchs amicaux. Que ça soit le week-end ou en semaine, le mercredi par exemple. On va essayer d'avoir une bonne préparation, ce qui n'avait pas été le cas cet été. Un peu compliqué avec le travail au niveau professionnel. Mais je pense que là, vu comment ça a été programmé, planifié, de ce qu'on fait là actuellement, et ben on va essayer d'être dans cette continuité, d'être dans cette lancée et surtout de surfer un petit peu sur ce qu'on fait et ce qui me fait penser qu'on peut réussir à aller dans ce sens là, c'est les résultats du moment, hein, tout simplement. Mangez pas trop, hein, à Noël, parce qu'il est en train de vous dire que vous allez en baver en janvier là. C'est ça, Jean-Louis, c'est hyper important aussi là, que ce soit l'été comme l'hiver après les fêtes, la reprise et la préparation. Après, il faut vivre, hein, aussi, donc non, il faut en profiter, mais voilà, nous je sais qu'on va reprendre assez tôt pour ça, mais donc oui, c'est des périodes un peu compliquées parce que après ça n'est pas encore, c'est compliqué quand on est sur une bonne dynamique. Quand on est sur une moins bonne, c'est bien, mais les fêtes, c'est le plaisir de retrouver les familles et tout ça, donc il faut profiter de ces moments-là quand même, parce qu'on est en National 3, quoi, donc c'est... Non, bon, c'est tout. Non plus, je sais plus quoi dire. Bon, je reprends le micro. Jeune Jean, des questions à Jean-Louis, pendant qu'il est là? Profitez-en. Ah, bah tu vois, t'étais le seul à ne pas en avoir. Bon, c'est une petite question simple, mais c'est à partir de quel âge qu'on a le droit de jouer en national?
Elle est pas simple, elle est bête ta question. Bah non, mais je sais pas. C'est ça, on va partir de ça. On a un double surclassement, on peut jouer en. Monseigneur. Oui, c'est surtout en catégorie senior. Ouais, catégorie senior. En jeune, tu peux jouer en national aussi. Mais je crois qu'on a droit qu'à un surclassement. Double surclassement, c'est ça, je crois, non? Oui, pour répondre à la question, c'est ça, en fait, c'est un double surclassement, donc à partir de 16 ans. Par contre, le niveau national n'a rien à voir avec l'âge. Ça reste le niveau. Tu peux être senior à 16 ans en première division district, mais tu peux également jouer en Ligue 1. Mbappé, peut-être bien, a commencé pro hyper jeune. Hein. Je sais qu'il y a le joueur de Rennes, là, qui a marqué même tout à l'heure contre Lyon. Je sais plus son nom. Ouais, il a un double surclassement et il a 17 ans. 17 ans et donc il joue en Ligue 1. Ouais, il t'avait une question. Ouais. Alors, est-ce que dans ton équipe il y a un joueur qui sort du lot? Bonne question. Non. Il y a toujours des joueurs qui sont plus doué que certains, mais bon, c'est un sport collectif, donc c'est ce qui est important, c'est que toute l'équipe joue les uns pour les autres, c'est ça qui est le plus important, mais ils sont tous bons, ils sont surtout généreux dans l'effort et tout, donc oui, il y a des joueurs qui ont connu, je pense à Salim, Ali, Martin, qui ont joué dans le passé dans les catégories au-dessus, mais aujourd'hui, non, c'est un groupe, hein, c'est le groupe qui est performant. Dans un sport collectif, c'est ça le plus important. Parce qu'on peut, aligner les meilleurs joueurs, tous, 11 très bons joueurs, mais si on n'est pas capable de faire les efforts les uns pour les autres, en général, on n'a pas de résultat. Le nouvel animateur, une question à Jean-Louis? Peut-être une question au niveau du groupe. Quels sont vos objectifs pour la deuxième partie de saison? La pub. Bah, les objectifs, c'est faire mieux, toujours faire mieux. Mieux que ce qu'on a fait à l'aller et voilà, toujours être dans la recherche pour s'améliorer. Donc aujourd'hui on a 13 points avec un match de retard, donc c'est toujours essayer de faire mieux, mais voilà, c'est l'objectif, mais entre ce que je veux et ce qui va se produire, c'est pas il y a une différence, mais bon, non, on a toujours envie de faire mieux. Faut toujours, pour progresser, faut toujours voilà, se poser ces questions, faut toujours essayer de faire mieux. Mais d'ailleurs, je parlais avec Quentin avant l'enregistrement, il a pas pu aller voir un match N3, donc c'est peut-être l'occasion, puisque c'est Noël, on va voir ça avec Robert, hein, qui gère les entrées, mais pourquoi pas faire un petit truc avec les U15, un jour de match, de manière à ce que vous puissiez être au match, et pourquoi pas accéder un petit peu à la préparation, à l'échauffement, et puis regarder et vous suivre, en fait, on va dire, avant et pendant et après le match, de manière à ce que vous soyez dans le bain de la Nationale 3. Voilà, bah écoute Quentin, tu vas aller nous rechercher 3-4 autres joueurs. Pendant ce temps-là, on fait une petite coupure pub. Bienvenue dans cette troisième partie du journal. Donc on se retrouve avec Livio, Ayoub, Mohsine et David pour continuer. Et mais en fait Morgan, on n'a pas parlé du Noël du club. Ah mais non, effectivement, bien vu, il y a le Père Noël qui arrive, et effectivement le Père Noël était cet après-midi au Noël du club pour les jeunes de U6 à U11 hein, de mémoire, et il est resté un petit peu avec nous pour, hop, attention au micro, pour le journal de Noël. Bienvenue Père Noël. Ouais, il est sportif le Père Noël. Merci d'être présent Père Noël. Donc effectivement, le Noël du club c'était cet après-midi, hein, je me suis pas trompé, U6 à U11, avec beaucoup de une pluie de cadeaux hein, comme c'était annoncé, un spectacle de magie, un film de mémoire. Enfin bon, ils se sont bien amusés Fred. On a eu des infos grâce à nos jeunes du club, hein, photos et vidéos qu'on regarde tout de suite.
Voilà pour cette belle après-midi de nos jeunes. Merci aux organisateurs. Hein. On a vu pas mal de monde travailler encore ce soir pour tout démonter. Patrice, André, qui sont depuis ce matin. Donc une très très belle après-midi pour les jeunes du club. Et puis comme quoi Noël sert aussi, puisqu'on a vu que Jean-Louis, pendant ce reportage, était en train d'essayer de recruter le Père Noël pour la seconde partie de saison. Donc ça annonce une belle seconde partie de saison. Après Dylan. messieurs, bonsoir jeunes gens, bienvenue dans le journal du FCMT. C'est une première pour vous tous. Hein, vous n'êtes jamais venus. On a parlé juste avant de votre match et de votre début de saison avec vos collègues. On va en parler un petit peu déjà avec vous. Ils sont tous aussi bavards. Le début de saison. Vous êtes pas facile. Non, allez, c'est pas grave. On va aller là-bas. C'est pas facile hein, de parler dans un micro devant la caméra. Alors, moi, je pense que on a pas très très bien débuté notre saison, parce qu'en fait, souvent on donnait tout sur la première mi-temps, et en seconde mi-temps, et ben on se relâchait et on se prenait un peu plus de buts, on faisait moins les efforts, tout ça, donc ça allait moins bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que ben, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Justement, c'est intéressant ça, Jean-Louis. Ouais, bah je connais pas les objectifs qu'ils avaient, c'était au niveau du jeu et tout, mais après oui, après il faut être présent pendant 80, je sais pas, vous jouez 80, c'est quoi, 80 minutes, hein, 80 minutes, donc il faut être, c'est vrai que c'est, il faut être présent pendant 80 minutes, donc c'est, il faut être physiquement prêt, et puis voilà, après c'est, j'ai pas vu vos matchs, donc c'est, pour moi c'est compliqué de juger, mais bon, le football c'est ça, hein, c'est pas, je vous dis, c'est très complexe, hein, donc faut voir. Pouvoir, à voir. Ben justement, on va organiser, on va inverser les rôles. On va organiser un match des jeunes avec toi, le match, on va dire du début à la fin, et puis t'iras accompagner aussi Anthony sur un match quand t'auras le temps, pareil du début à la fin pour voir ça. Et on prendra bien sûr la caméra de manière à vous filmer tous les deux. Donc à prendre rendez-vous Anthony et puis Jean-Louis pour faire ça. Voilà aussi le bien du FCMT TV. Ici ça n'a pas parlé, il se cache derrière Quentin, pourtant il est plus grand. Bah. Mais c'est intéressant aussi ça. tu peux développer. Comment t'as senti la première partie de saison? Bah c'était très compliqué de débuter la première saison. Beaucoup de défaites, d'égalité. Mais vous vous reprenez tout doucement, donc c'est intéressant. Les matchs amicaux, ça sert à ça aussi. Et puis à reprendre confiance. Donc c'est important, continuer à travailler de manière à faire une meilleure seconde partie de saison. Tu prends pas les meilleurs, à chaque fois ils parlent pas. Les autres sont un peu timides. C'est ceux qui parlent le plus, là. C'est ça. Donc, en fait, pour la petite info, hein, je tiens à le souligner, puisque je ne l'ai pas annoncé en début de journal, à partir de 2020, nous aussi, au FCMT TV, on a une recrue. Et cette recrue, c'est Quentin, comme vous avez pu le voir, qui a démarré ce journal et qui va être un petit peu sur les terrains autour de vous pour aller vous espionner et puis faire quelques vidéos et montages. Donc, bienvenue, Quentin. Et je pense qu'à cet âge-là, ça peut s'applaudir puisque c'est... Maintenant, messieurs, les questions. Avez-vous des questions à Jean-Louis qui est là pour... Ah, toi, t'es bavard, par contre. Autant les autres disent non, lui, il veut. Donc, vas-y. Alors, moi, ça fait depuis très longtemps que j'attends de vous poser cette question. Alors, ma question, c'est donc, quel est votre dispositif et pourquoi ? Ah, c'est une bonne question. Dispositif sur le terrain, c'est ça? Ouais. Bah, après, donc moi je suis un... Donc il n'y a pas de système qui fait gagner des matchs, parce qu'autrement on ferait tous le même système, mais
Je pense que moi, je suis un partisan du 4-4-2 parce que je pense qu'avec deux attaquants, on a plus de chances de marquer qu'avec un attaquant. Et puis, je pense que c'est le schéma qui puisse, on va dire, toutes les parties du terrain, elles sont bien occupées. C'est un équilibre. Je pense que le 4-4-2, c'est le... Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs. J'ai joué dans beaucoup de systèmes. Et c'est dans le système où je me suis senti le mieux, le plus à l'aise et où je prenais le plus de plaisir. Mais sur le niveau de l'occupation du terrain, je pense que le 4-4-2, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, pour ça, il faut... C'est un schéma qui est compliqué, qui a beaucoup de risques, parce qu'on joue très haut, donc on laisse beaucoup d'espace dans le dos. Donc c'est des choses qui se travaillent pendant des mois et des mois. D'accord. C'est une bonne question. Très bonne question. On en a une ici. Allez, vous deux, vous la posez en même temps, s'il vous plaît. J'avais une question à vous poser. Le championnat est très difficile ou pas? Alors, t'as pas écouté tout à l'heure, t'étais bavard là-bas, mais il en a déjà parlé. Mais tu peux lui répondre quand même. Oui, le championnat est difficile, comme le vôtre, il doit être sûrement difficile à votre niveau. À chaque niveau, tous les championnats sont difficiles, mais oui, plus tu montes de niveau, plus le championnat, les équipes, elles sont au niveau qualité, elles se rapprochent énormément. D'autres questions? L'ambianceur du minibus. Bah tiens, viens ici, Robert. Bah qu'on t'entende bien. Non, il va rire, Jean-Louis, à mon avis. Tu as marqué quelques buts dans ta carrière, mais tu vas me citer, tu vois, ton plus beau but, justement, c'était au stade de l'Aube. En Ligue. Non, t'as marqué quelques buts, mais c'était au mois de décembre, c'était, à mon avis, en période de Noël, puis je te laisse dire la suite, hein. De mémoire, c'était un 5-5, non? Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas marqué beaucoup de buts dans ma carrière. Et puis, donc, je m'en souviens bien les peu de buts que j'ai marqués. Et j'en ai marqué... c'était juste avant les fêtes de Noël contre Châteauroux. C'était l'année où on est monté en Ligue 1 avec Jean-Marc Furlan. C'est un match à rebondissement. On gagnait 2-0, après on perdait 3-2. On égalise à 3-3, on perd 5-3, on revient 5-4, 5-5. Et puis je sais pas ce qui m'est arrivé dans la tête, le ballon il est arrivé à 35 ou 40 mètres, j'ai pris le ballon de volée. Puis j'étais étonné comme ça, et le ballon il est rentré, il est ressorti. J'ai pas compris, et du coup, c'est vrai que... Mais bon, je vous dis, hein, j'avais pas marqué beaucoup, donc je me souviens bien. Et celui-là, c'est plus beau, et puis en plus c'était un match quand même... C'est un match, 10 buts, donc c'est rare, hein, c'est rare. Une question. Est-ce que vous avez déjà marqué en Coupe d'Europe? J'ai joué avec les Stacks. Non, j'ai joué avec Sedan et puis Guingamp. Mais avec les Stacks, j'étais parti à Lorient quand ils ont joué contre Leeds. Je n'avais pas marqué beaucoup en championnat en France. Alors en Coupe d'Europe, encore moins. Non, j'ai fait 4 matchs de l'UEFA. Je n'avais pas fait tant que ça. Et non, j'ai pas marqué. Non. Malheureusement. Je voulais vous demander si vous avez, quel est votre, plus beau souvenir ou votre meilleur souvenir que vous avez eu dans votre carrière dans le football. Ouais. Il pose des bonnes questions. Ouais. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, les meilleurs souvenirs que j'ai dans moi, c'est les périodes les plus difficiles. Quand j'étais à Troyes, quand je travaillais à l'usine et tout ça, c'était Alain Perrin qui avait pris les équipes. Dans la vie, on se souvient toujours des moments difficiles. Les moments de faciles, on s'en souvient moins, même si j'ai vécu des grandes émotions. Mais je me souviens du début jusqu'à la fin de tout ce qui a été compliqué pendant beaucoup d'années, beaucoup de travail, beaucoup pris sur soi, beaucoup d'entraînement, c'était très compliqué. Il faut pour être pro, il faut avoir un mental, un grand mental. Et puis moi j'ai eu des parents aussi qui sont je suis d'origine espagnole, ils sont venus d'Espagne et tout, donc ils m'ont donné ces valeurs là de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui beaucoup de volonté, beaucoup de travail, et c'est surtout ces moments-là que
je me souviens le plus, parce que c'est les moments où j'ai souffert le plus, parce qu'une fois après qu'on est pro, je dirais que c'est pas que c'est facile, mais la machine elle est lancée, et après voilà, mais c'est pour y arriver, c'est ça le plus dur, et puis pas lâcher mentalement, c'est ça, c'est ce que je retiendrai, c'est ça. D'accord. Bah, merci pour cette réponse très enrichissante. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Vous êtes sûr, hein, rien du tout, hein. Kevin, je prends une question. Ah bah ça y est. Non, ça y est, ça se lâche. Quel était votre poste? Oui, parce qu'effectivement, il est un peu jeune. Donc, quel était ton poste, Jean-Louis? Il était pas attaquant déjà, vu le nombre de buts qu'il a mis, c'est sûr. Non, j'étais arrière latéral droit. Et de temps en temps milieu droit, mais en général c'était sur le flanc droit, parce que j'ai jamais eu de pied gauche, donc j'ai jamais joué à gauche. Ouais. C'est ce qui reproche du coup à ces joueurs, hein, le pied gauche, mais il peut pas faire grand chose à l'entraînement, il est pas mieux. Voilà, autre chose pour vous? Non. Eh ben écoute, ah mais oui Quentin, tu me l'as dit en plus. J'aimerais savoir où vous avez été formé, par quel club vous êtes passé et quel est le club qui vous a le plus marqué. Mais alors là, justement, il est sorti un livre. Donc moi, je viens d'Essois, d'un petit village à 50 km d'ici. Donc j'ai fait mes gammes jusqu'à 14 ans. Après, je suis venu jouer en cadet nationaux, ça s'appelait le PL. Le PL 3. C'était ce qui remplace les stacks. Après, je suis parti 2 ans en Espagne. J'ai joué 2 ans en Espagne. Après, j'ai voyagé. Je suis allé à Brest, où j'ai gagné la Coupe Gambardella. Je suis revenu à Troyes, où on était avec Jean-Louis Coustillet, les clubs étaient en national 4. Donc après j'ai travaillé un peu dans les usines, j'ai travaillé même à Nigloland, je me souviens. Et après j'ai été formé à Troyes. Après je suis parti, on est monté avec Alain Perrin de National 3 jusqu'en Ligue 2. Et là on s'est maintenu en Ligue 2, puis là contacté par Lorient, Christian Courcuff. Après, tous les entraîneurs t'apportent quelque chose, mais le plus grand pour moi, c'est ouais, c'est dans le jeu, c'est vraiment où j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis la personne aussi, c'est Christian Courcuff, qu'aujourd'hui est à Nantes. Mais au niveau du jeu, on prenait beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui était très offensif. Et donc voilà, c'est. Mais quand on est dans un bon niveau, on prend toujours du plaisir parce qu'on joue dans des stades où il y a 40 000, 50 000 personnes. Donc on est privilégié, donc on prend toujours du plaisir, mais c'est ce qui m'a marqué de plus. Mais bon, j'ai joué à Sedan, Guingamp, Sedan, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que Sedan, on dit que c'est une ville où c'est un peu sinistré, mais c'est sinistré, mais il y avait 20 000 personnes au stade tous les week-ends et des passionnés, donc c'était bien. Mais bon, Lorient, on va dire. Allez, Lorient, à noter que t'as quand même fait beaucoup d'années à Troyes, hein, mine de rien, parce que... Ouais, 12 ans, donc ça t'a aussi emmené au haut niveau. Allez, une dernière, parce qu'après vous avez encore des collègues qui sont là, hein. Il y a des joueurs qui sont pas passés encore. Alors, la question que je voulais poser, c'est... Enfin, vous disiez que parfois, vous jouez devant 40 000 personnes, enfin, devant beaucoup de gens, quoi. Mais parfois, enfin, ça vous faisait pas un peu stressé de jouer devant plein de gens comme ça? Alors, le plaisir que vous preniez parfois, genre... Enfin, je sais pas, ça vous faisait pas un peu stressé? C'était pas du plaisir négatif, genre? Plaisir négatif. Non mais c'est vrai que c'est bon, oui, quand on joue quand il y a du monde, on a beaucoup de stress, mais il faut que ça soit après un stress positif, c'est-à-dire que voilà, c'est une préparation mentale, c'est aussi des habitudes qu'on prend. Au début, on panique un petit peu parce que on a peur de quand on rentre que ce soit du foot ou chanteur, on a peur toujours d'être ridicule, donc c'est un peu un stress, on a peur de mal faire. C'est surtout ça qui nous stresse, mais à force après de jouer, et puis bah, après on s'habitue, mais si c'est stressé, c'est un grand stress, et puis après quand on arrête, le fait de ne plus avoir ce stress là, ça nous manque, et c'est comme une drogue, donc finalement c'est un peu compliqué, ça serait trop long à expliquer, mais c'est très 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 difficile à gérer, et si tu veux, les répercussions après sur les joueurs sont compliquées à gérer après le foot. Ok,
avant de conclure, t'as dit qu'il y avait le stress un peu comme un chanteur. Tu chantes aussi? Non. Non, pas du tout. Ah bah dommage, parce que sinon on aurait pu... Non. Non. Bon bah parfait, bah, on va conclure cette troisième partie là-dessus avant de terminer bah, la quatrième, Quentin. Hein, c'est toi qui la prendras aussi, la quatrième. Je peux rentrer, moi, c'est bon? T'as compris comment ça se passait? Ouais. Eh ben, impec. Ben, on se retrouve juste après ça, alors. On se retrouve pour la dernière partie, la quatrième et la dernière partie de ce journal. Donc, avec des autres joueurs qui nous ont rejoints. Donc, Lounès, Abdel, Ryan et Idriss. On va commencer directement. Quel est votre ressenti sur le début de saison? Bah, c'est pas mal. Enfin, l'équipe, elle commence à se développer. Enfin, on commence à travailler ensemble et c'est bien. Ok. Abdel? Alors, on a eu des débuts compliqués, mais on a réussi à se mettre dans les objectifs et à faire du bon jeu. Vas-y. Bah, l'équipe, elle s'améliore petit à petit. Il y a de la progression. Bah, un début très compliqué, mais ça s'améliore. Là, avec ces deux matchs amicaux qui sont très bien passés. Donc, on a la chance d'avoir l'entraîneur de la N3, des seniors. Donc, est-ce que vous auriez une question à lui poser? Quel est le joueur qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière? Alors, le plus compliqué ou le joueur? Alors, le joueur le plus compliqué, c'était Ronaldinho, hein, qui joue à Paris Saint-Germain. Hein. Il n'a pas passé une bonne soirée. C'était un peu compliqué. Après, j'ai joué avec Didier Drogba, lui, c'était vraiment quelqu'un de... Mais le joueur le plus compliqué contre qui j'ai joué, c'est vrai, c'est Ronaldinho. Ouais. Vous êtes mérité comme entraîneur? Comment? Vous êtes mérité comme entraîneur? Oui, mais non, non, il y en a beaucoup. Hein. J'aimais bien aussi Reynaldo Nouex, qui est plus entraîneur. Après, j'aime bien aussi l'entraîneur. J'aime beaucoup Guardiola aussi en Europe. Bon, il y a beaucoup de bons, hein. Très bons. Klopp, il y en a beaucoup. Hein. Mais Guardiola, ouais, Guardiola, au niveau européen, hein, quand il était à Barcelone, j'aimais bien. Ouais. Est-ce que vous testez des jeunes joueurs de 17-18 ans en As-3? Alors, de 17 ans, non, parce qu'il faut avoir un double surclassement. Mais par contre, on a beaucoup de jeunes de 18-19 ans. Hein. Moi, j'aime bien faire jouer les jeunes. J'aime bien donner la chance à tout le monde. Mais de 17 ans, non, parce que il faut un double surclassement. Il n'y en a qu'un. Mais par exemple, là, il y a 4 U19 qui s'entraînent. Bah, que puis Andrea aussi qui s'entraîne avec nous, qui a eu 18. Donc oui, les jeunes, ils s'entraînent. C'est important pour le club. Les jeunes progressent rapidement. Alors, combien de temps pensez-vous rester entraîneur? Quel est votre objectif? Bah, c'est compliqué. Hein. C'est combien? Il n'y a pas de joker. Bah, je suis comme tout le monde. Hein. Je dépends toujours des résultats et puis c'est en fonction des résultats. Et puis voilà, si on a des bons résultats, on a des propositions. Puis si on n'a pas de bons résultats, bah, des fois, on part du club, quoi. Donc, non, c'est en fonction des résultats. Donc, c'est compliqué. Maël, Wail, d'autres questions? Bon, bah, Morgane, on va te laisser. Quel est votre pire souvenir dans le football? Le pire souvenir dans le football, c'est ça, Maël? Oui. Le pire? Ronaldinho. Ça a duré qu'une heure et demie, ça. Le pire, bah, sincèrement, j'ai eu la chance, je me suis jamais blessé, j'ai pas eu de problème particulier, j'ai pas de pire souvenir. Le pire souvenir, c'est quand tout s'arrête, quoi. Quand on est trop vieux, qu'il faut arrêter, c'est compliqué à gérer, mais j'ai jamais été blessé, donc j'ai eu cette chance-là, donc mais quand ça s'arrête, ouais, c'est pas évident parce que c'est sympa de jouer devant. Contre des pros, puis dans des grands stades, donc c'est. Voilà, c'est quand ça s'arrête. Pour moi, mais bon, j'ai pas connu de blessure, donc je peux pas dire.
Non. Yawail. Non. Vas-y, Maël, profitez-en. Est-ce que ça vous arrive de jouer avec vos joueurs pendant les entraînements? Pour l'avoir eu comme entraîneur, oui. Ouais. Ouais, comme il dit Morgane, oui, avant, quand on était à la rivière de Corps, je jouais beaucoup avec eux. Mais maintenant, je suis dépassé par les événements, donc je ne vais pas faire le ridicule, ça va trop vite pour moi. Non, non, aujourd'hui, non. Je préfère courir tranquille, tout seul, à mon rythme. Plus de questions, non? Non, c'est bon. Bon, bah, Morgane, on va te laisser finir. Bah oui, plus de questions, donc c'est cool. En tout cas, merci. Bah, merci à toi, Jean-Louis, parce que c'est... C'est vraiment bien que les gamins posent des questions. Mais justement, je vais quand même te laisser la parole, voir si, moi, ce sera ma question pour eux, ce que toi, tu peux leur dire pour continuer à travailler et justement réussir à accéder au plus haut niveau. J'espère que vous allez bien écouter. Voilà, vous avez eu la chance d'avoir Jean-Louis. On va conclure avec toi là-dessus, de manière à voilà, le petit mot pour eux, ce qu'il peut leur apporter pour la suite. Alors déjà, c'est bien écouter votre entraîneur qui vous donne des conseils, puis surtout c'est beaucoup travailler, beaucoup d'entraînement, pour progresser il faut beaucoup s'entraîner et jamais s'arrêter, toujours être dans la recherche, toujours vouloir progresser, c'est surtout le plus important. Après, ce que j'aimerais bien, parce que je trouve que ça a été sympa, c'est que le prochain match qu'on joue à domicile, j'aimerais bien que vous veniez regarder une préparation d'avant match. La causerie, les joueurs, comment ils se préparent et tout pour un match, ça pourrait vous apprendre aussi à gérer un peu le stress d'avant match, comment les joueurs ils préparent, donc c'est important. Et puis je vous invite aussi à venir voir les entraînements, même regarder quand vous regardez les matchs, quand vous allez, je sais pas si vous allez à l'Estac, regarder les échauffements, ce que les joueurs ils font. Et puis quand on regarde les matchs, il faut regarder les joueurs qui jouent à votre poste, comment ils jouent, comment ils se déplacent. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas regarder celui qui fait une roulette ou un petit pont, c'est au niveau du placement, donc voilà. Mais bon, venez, on va faire ça, prochain match, je sais pas quand est-ce que c'est le prochain match, mais venez, ça serait bien qu'ils viennent regarder, une préparation un peu des joueurs, comme ils se préparent, et ça serait bien. 26 janvier, je crois. 26. On va voir ça. Ça y est, l'idée est née ce soir. Et merci à toi, Jean-Louis, d'accorder ce moment aux joueurs. Il y a aussi une personne qui fait beaucoup pour les joueurs, qui est là ce soir et qu'on va faire parler, qui est Cathy. Cathy, tu vas venir me rejoindre puisque, mais bien sûr. Hop, je vais te faire un petit peu de place. Tac, assieds-toi. Puisque Cathy, toi, t'as un rôle, on en parle souvent, mais peut-être pas assez souvent, un rôle qui est aussi important, que ce soit pour les joueurs de notre équipe, que tu bichonnes forcément plus que les autres, mais tu bichonnes également les autres équipes. Pour les plus jeunes, là, ceux qui sont présents, non, je fais rien du tout dans les médias. Non, mais les autres équipes en championnat N3, puisque il y a tout un buffet à chaque match pour toutes les équipes. Ah oui, ça, c'est... Alors, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, d'ailleurs. Bah, ça paraît. Oui, déjà, c'est obligatoire, mais... Mais tu y passes du temps. Oui, enfin... Mais je te dis, je ne sais pas comment je ferais autrement. Enfin, je ne sais pas faire autrement, je ne conçois pas le truc autrement. Donc voilà, c'est tout. Donc là, tout à l'heure, j'entendais Jean-Louis qui disait « Les gamins, bon, faut en profiter, c'est les fêtes, etc. » Je me suis dit « Mince, les joueurs vont être privés de mousse au chocolat prochainement. » Mais bon, on verra bien. Hein. Si tu me l'interdis, j'en fais plus. Hein. Non, bon, d'accord. Donc justement, Jean-Louis, un petit mot aussi sur tout ça, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la Nationale 3, quelqu'un qui vient voir un match, il vient regarder le match, mais autour, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille bénévolement pour accompagner l'équipe. Oui, c'est ça, c'est que nous on n'est rien sans les bénévoles du club, sans tous les gens, les dirigeants, c'est tout un club. Nous voilà, aujourd'hui on part de la Nationale 3, c'est nous, on va dire, on est en haut de l'affiche, mais sans les personnes, sans les dirigeants ou des personnes même comme Cathy qui préparent des choses hyper sympas, on sait rien. Le club, c'est tout un club. Hein. C'est pas que la Nationale 3, parce que nous, on n'existe pas sans les autres, et puis vous n'existerez pas sans les autres non plus. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. C'est un ensemble. Le maître a été sage ce soir. Avant de se quitter, tu vas peut-être quand même résumer un petit peu ce que tu as pensé de ce journal et puis de tout ça, de tout ce que tu as entendu, parce que je t'ai trouvé trop peu bavard pour que tu aies rien à dire.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est déjà une belle surprise. Parce que je vous ai regardé discuter, surtout toi, Jean-Louis, avec les jeunes. Les jeunes qui, au fur et à mesure, avaient de plus en plus de questions. Parce que moi, il y a un véritable échange qui s'est fait. Et j'ai tout trouvé ça très agréable. Autant, je pense, toi aussi également. Et puis moi, de le vivre aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moment que je viens de passer. Voilà. Ça me fait plaisir, parce que moi également. J'espère que vous, hein, de votre côté, Pierre, tu peux faire un petit crochet sur tout le monde. Vous avez également passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Je sais pas où est Anthony, mais je tiens... Ah, bah, il est là. Je tiens de nouveau à le remercier. Anthony, l'invitation a été lancée par Jean-Louis. Donc, on va voir pour s'en occuper, de manière à ce que vous puissiez aller suivre un match. Regarde, qu'est-ce qu'il fait, Mermoz ? Oui, ça sera avec grand plaisir qu'on acceptera. Au contraire, hein, tu m'as lancé la chose la semaine dernière et directement j'ai répondu. Donc, et même, ça sera enrichissant pour ma personne également de pouvoir assister à ce genre d'événement. Eh ben merci à toi en tout cas une fois de plus de nous avoir ramené autant de beau monde. Merci aux parents présents ce soir puisque vous avez accompagné les jeunes. Merci à vous jeunes gens d'avoir tous joué le jeu. On m'avait dit 7 joueurs. Quand je vois le nombre qui est là, ça fait plaisir. On a Mermoz hein, qui est là-bas qui fait un peu le singe, mais ça on y est habitué maintenant. On a bien sûr Pierrot qui est derrière la caméra qui dit journal exceptionnel, dit caméra et tournage exceptionnel. Donc j'espère qu'au rendu ce sera pas mal. Merci à toi mon Pierrot. Jean-Louis, un grand merci parce que j'ai trouvé comme Fred ce moment super agréable et ça fait du bien de se retrouver comme ça tous ensemble. Faudrait que ce soit Noël presque tous les jours, n'est-ce pas Père Noël? Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à chacun. Profitez de tous ces bons moments, de ces moments de partage. Comme à vous face à la caméra, bonne fin d'année à vous tous, passez de super belles fêtes en famille, entre amis. On se dit bien sûr rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt, salut.